Je commence par ce modèle de salle de bain qui s'appelle Studio, que voici. Donc on a un ensemble complet avec un meuble sous vasque. Vous avez une armoire, un miroir. Alors tout est détaillable, c'est-à-dire que là je vais vous présenter élément par élément le prix. Je commence par cette colonne donc qui est vendue à 199 €, donc c'est un contreplaqué bois. Le meuble colonne il fait 1,06 m de hauteur et 40 cm de largeur. Pour vous donner une idée de prix, vous avez deux tablettes comme ça qui sont donc en verre. Donc le contreplaqué, je vous montre un petit peu de plus près, il est super joli. Vous avez les liserés noirs sur les côtés comme ceci, ça fait très industriel, moderne à la fois. Et juste en dessous, vous avez une tablette, donc métal avec une planche de bois comme ceci, donc une niche. 199 €, donc bien sûr ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le prendre. En termes de coloris, vous avez le choix du chêne clair comme ceci et vous avez aussi la possibilité de choisir un chêne foncé noir. Donc le miroir, il fait 50 × 100. Il est comme ça, donc vous avez l'éclairage qui est intégré. Il est super joli, il fait très industriel. Il coûte 99 € seulement. Je passe au meuble sous vasque. Alors ça, c'est totalement personnalisable. Vous avez trois options, à savoir de la largeur 60, de la largeur 80 et il existe même en largeur 120. Celui qu'on a là, celui qui est exposé ici, c'est une largeur 80 et il coûte 339 €. Alors il faut savoir que celui-là, il n'a qu'un tiroir. Si vous le prenez en largeur 120, je vais vous montrer la photo qui se trouve juste là, vous pouvez avoir deux tiroirs et deux vasques. Juste en dessous, vous avez une niche. Bon, à titre perso, moi, j'aime pas trop quand c'est ouvert parce que je trouve que pour tout ce qui est nettoyage, poussière, c'est compliqué. Mais par contre, esthétiquement, c'est super joli. Je vais vous ouvrir le tiroir. Donc, il est comme ça. Vous pouvez mettre des bacs à l'intérieur pour organiser un petit peu mieux. Donc, 339 € ce modèle que je trouve super joli. Donc, la vasque, bien évidemment. Ici, c'est un modèle de vasque à poser qui coûte 139 € en céramique noire. D'accord. Il propose aussi un mitigeur comme ceci à 99,90 €, mais c'est totalement personnalisable en fonction de vos goûts, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une vasque de 80 qui fait toute la largeur de votre meuble. Moi je préfère parce que du coup on n'a pas de déperdition d'eau, même si comme ça c'est très très joli. Mais après voilà, pour avoir eu cette expérience là, ce genre de vasque à poser, bah, ça dégouline souvent l'eau, on est toujours en train de nettoyer. Bon voilà, à titre personnel, je le recommande pas, mais ça c'est vraiment une question de goût. Donc la vasque est à 139 € pour ce modèle et le mitigeur à 99,90 €. Donc c'est le modèle Studio. Une dernière fois, je vous montre les deux possibilités de coloris et la possibilité d'avoir une largeur de 60 à 1,20 m. Ici, c'est du 1,20 m qui est présenté et du coup, vous voyez, ils ont mis deux miroirs, c'est très joli aussi. Sinon vous pouvez mettre comme le modèle qui est là en 80, moi c'est ce que j'ai chez moi et je trouve que c'est plutôt joli et j'aime beaucoup le coloris chêne clair. Allez, je vous propose une cuisine qui est super économique et très jolie esthétiquement. C'est le modèle Click Gris, donc c'est du gris laqué en MDF comme vous pouvez le voir. On est sur un prix qui est vraiment très correct. Il est à 159 € le meuble bas avec le miroir et la vasque. Si vous ne voulez pas de la vasque, vous pouvez acheter simplement le meuble sous vasque avec le miroir. Si vous ne voulez pas de la vasque, que vous l'avez déjà, vous pouvez acheter, si vous le souhaitez, uniquement le meuble avec le miroir. Et là, on est à 120 €. Voilà. Et la vasque seule à 39 €. Je vais vous ouvrir les tiroirs. Ils sont comme ceci. Excusez-moi, j'avais un petit film qui éclaircissait. Donc je disais, c'était du 70 cm en termes de largeur. Vous avez deux tiroirs qui sont très fonctionnels, d'accord. En termes de qualité, il est correct. Moi, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, pas ici, mais très joli. Et là, on a quelque chose de super bien et pas cher du tout. C'est qu'on a une grande colonne, si on le souhaite. C'est pas une obligation, c'est une option à 79 €. Elle fait 35 de largeur et 1,40 m de hauteur. Et comme vous le voyez, ça fait vraiment un espace rangement au top. Donc voilà, en modèle ouvert, vous avez 4 tablettes à l'intérieur. Donc là, on peut vraiment ranger tout ce qu'on veut, du linge, des produits. C'est vraiment super.
En tout cas, si on a la place. Donc sur le miroir, vous avez une petite tablette comme ceci. Donc ça, c'est le top aussi pour pouvoir poser des petites choses du quotidien. Et là, ce qui est proposé, c'est un petit mitigeur, mais ce n'est pas une obligation, c'est optionnel à 54,90€. Si vous avez déjà le vôtre, c'est faisable aussi. Et c'est un meuble qui est garanti 3 ans. Donc voilà pour la collection Click Gris. Et sachez qu'il est disponible aussi en coloris blanc laqué. Donc voilà, si vous n'aimez pas le gris, vous pouvez le prendre en blanc. C'est personnalisable. Allez, ici, je vous propose le meuble natural en double vasque. Donc vraiment pour les personnes qui sont en famille, nombreuses ou qui sont désireuses d'habiller leur salle de bain avec ce type de meuble en double vasque. Donc c'est un habillage bois. Il est entièrement plaqué en chêne verni, d'accord ? Et il est totalement personnalisable. Donc là, par ici, par exemple, c'est un modèle exposé en double vasque, donc 4 tiroirs. Comme vous pouvez le voir, on a 2 tiroirs qui sont petits au-dessus et 2 grands tiroirs en dessous. En termes de largeur, on est sur du 1,20 m, d'accord ? Mais vous pouvez également personnaliser et avoir, par exemple, un seul bloc d'1,20 m, donc avec seulement 2 tiroirs, donc un bloc tiroir en haut et un bloc tiroir en bas. Et il existe aussi en 90 cm avec seulement un tiroir. Voilà, je vais m'intéresser à cette dimension qui est exposée par ici. Donc par ici, l'ensemble avec les 4 tiroirs, les 2 vasques, donc en plan résine, on est à 956€. Donc voilà l'intérieur des tiroirs. Il est super ce meuble, il est vraiment qualitatif, il est beau, les finitions sont super belles. En termes de charge, c'est du 6 kg par tiroir pour la partie haute. Et regardez l'espace de rangement que vous avez en bas, mais c'est juste exceptionnel. Quand on a du linge à ranger, c'est vraiment le top. Précision, il n'y a pas de pied, hein, d'accord. C'est du meuble suspendu, 1,20 m de large, donc 956€ avec le plan vasque en résine. Les mitigeurs qui sont exposés ici ne sont pas compris dans le prix. Ils sont à 79,90€. Esprit cascade, bon ça après vous le personnalisez comme vous le voulez. Vous avez la possibilité de vous offrir une armoire murale comme ceci en hauteur. Donc il y a deux placards avec des miroirs sur les portes comme ceci. Elle coûte 359€. Donc voilà l'espace de rangement qui est considérable, c'est du 1,20 m de largeur. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel, si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Et bien sûr c'est personnalisable en fonction de la taille de votre pièce. Voilà, vous voyez, vous avez du 60 cm, c'est possible, en 90 aussi. Et pour finir, pour ce modèle, il y a la possibilité d'avoir également la colonne à 299€, ce modèle-ci. Donc elle est hyper grande. Je vais vous l'ouvrir. Elle fait 40 de large et elle fait 1,65 m de hauteur, ce qui est juste énorme. Vous voyez à l'intérieur, vous avez un tiroir, comme ceci qui est caché. Et quand vous refermez la porte, vous avez en dessous 2 niches pour le rangement. Donc voilà pour le modèle natural en chêne. On a ce joli meuble qui s'appelle Remix Blanc. C'est un petit meuble à composer, il n'est pas très cher. Vous voyez, vous avez l'ensemble meuble sous vasque et plan vasque à emporter à 247,70€. C'est vraiment pas cher. Il est très joli. Dans le détail, on a le plan vasque comme ceci en rond, céramique blanc. Je trouve ça super joli, ces designs. À 69€. Et donc, ce meuble avec 2 grands tiroirs comme ça, c'est du 75 cm de largeur. Il est vraiment top, il est super beau. C'est laqué avec un petit décor comme ça, losange. Donc ça, c'est super économique. Et la robinetterie qui est là coûte 74,90€ si vous le souhaitez. Mais après, c'est tout à fait personnalisable. Et ce que je vous propose, c'est qu'après, on ira faire un tour au rayon robinetterie. Après, vous pouvez totalement personnaliser ce modèle, c'est-à-dire avec changer les poignées, la couleur. Tout est modulable en fonction de vos goûts. Voilà pour le modèle Remix Blanc. Voilà pour ma sélection du jour, meubles de salle de bain de chez Leroy Merlin. J'espère que ma sélection vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker pour donner votre avis sur les produits Leroy Merlin si vous en avez une expérience. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur un prochain thème comme la cuisine,
les dressings. Voilà, gros bisous, à très très vite, bye bye.